hypertension artérielle. 35,8% des adultes concernés. À Madagascar, selon les statistiques sanitaires du ministère de la Santé publique, 35,8% des adultes souffrent d'hypertension artérielle avec les maladies qui lui sont associées comme l'AVC et l'infarctus. L'exploration et la revue des moyens de prise en charge des pathologies cérébro-cardiovasculaires revêtent ainsi une importance particulière. Dans cette optique et à l'occasion de la Journée mondiale contre l'hypertension artérielle d'aujourd'hui, Madagascar Medical Technology, en partenariat avec Siemens Healthineers, a organisé les 15 et 16 mai à Mbuyichumbi-Avan le premier symposium scientifique sur le thème de la prise en charge des pathologies neurocardiovasculaires. Cet événement de deux jours a vu la participation de professeurs et de médecins spécialistes malgaches aux côtés de la communauté scientifique, des décideurs en matière de santé public de Madagascar, des organisations internationales et du secteur privé. Le but en est de faciliter la diffusion des dernières pratiques, des connaissances et des innovations en termes de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies neurocardiovasculaires. Le docteur Gabriel Ralais-Soumaï, radiologue, recommande de bien s'hydrater et de disposer d'une tensiomètre à la maison pour prévenir l'hypertension artérielle et les maladies associées.